Salut tout le monde. Si vous avez choisi cette partie, c'est que vous vouliez protéger vos proches et pas tellement vu qu'on est dans un jeu. Mais on lance le bouclier. C'est la première fois que je joue au bouclier. Généralement, je choisis toujours l'épée. Bah, je vais laisser tomber l'épée, hein, franchement. Qui a besoin d'une épée quand d'une puissance destructrice Non, enfin, je crois que je vais choisir. Non, bon. Ok, c'est parti. Des rêves quand même un petit peu, ouais, je me rappelle, mais quand même quoi, ça vise bien, attention là, non, au milieu, droite, gauche, ah, et il tombe et là d'un seul coup, voilà, il s'est remis droit, c'est pas trop comment, bon, ok, et ça, tu as acquis le pouvoir de combattre, ah, je tiens mon bouclier comme une épée. Ok. C'est ce pouvoir pour te défendre et protéger les autres. Bon. Je me bats comme quand. Je me bats avec un bouclier comme que. Comme si je tenais une épée, quoi. C'est. Même peur, hein, j'en bats un et tout le monde se barre. Oh mon Dieu, il a battu notre frère. Vite, tout le monde s'enfuit. Repli stratégique. Derrière toi, attention. Ouais, je sais. Non mais c'est vraiment ça, qu'il ait son bouclier, son sceptre ou son épée, il la tient exactement de la même façon. Hey. Ah non, il m'a mort, Ah non, je me noie et... Ah non, en fait, c'est bon. C'est la taille de ses chaussures. C'est presque même que celle de Mickey, mais quand même. Alors, voyons cette porte translucide. Ah zut. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, quand tu risques de la traverser un poste, ça risque d'être un petit peu dur à saisir. Surtout si tu vas au travers. Non, je crois même que. Ah non, je la traverse pas. Bon. Je peux voir au travers, mais je ne la traverse pas. C'est une nouvelle. C'est plutôt intéressant comme idée de bouclier. Ok. Le bouclier ouvre les objets comme la Keyblade. Ok. Ouais, j'étais censé le pousser à la base, mais bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. La lumière vers le paradis s'ouvre. Oh. Oh. Voyons voir à quoi ressemble le paradis. Le paradis est en bois.
patience, la porte ne va pas s'ouvrir tout de suite. D'abord, dis-moi plus à ton sujet. Ah, bien sûr, la touche select, possible. Oui, bon, ok, merci. Ouh! Ah. Je reconnais son demi-pantalon, pantacourt. Enfin bref, on reconnaît là, c'est Tidus quoi, bon, on se serait pas reconnu. Alors, t'as peur de quoi? De grandir? Non. Ah mince! Ah zut! Bon. Juste pour toi, l'amitié. Et. C'est quoi ton rêve? Devenir fort, bon. Tu as peur de grandir, tu recherches l'amitié, tu veux devenir fort. Ton voyage débutera à midi. Tu avanceras à un rythme constant jusqu'à son terme. Ça me va. Pourquoi midi? Ah mince, le paradis est inondé. Le jour où tu ouvriras la porte est à la fois lointain et proche. C'est très pratique ça comme phrase. C'est Aurore, de la Belle au Bois Dormant. Ah, bien sûr, tout start, vous permet d'ouvrir le menu. Merci pour cette info absolument incroyable. Je peux passer les... Ah oui, je peux passer à cette. Bah non, je vais laisser. C'est bizarre quand même de tenir son bouclier comme une épée. C'est aussi un peu bizarre de se répéter et de dire 3 à 4 fois la même chose. Ah, il est résistant en plus. Allez, vas-y, dehors. J'aurais peut-être dû repasser l'extra avec une superbe phrase très culte. This is Sparta! Vous voyez de quoi je veux parler. Alors, le pont pour sauvegarder. Je vais pas sauvegarder parce que ça ne sera pas mon let's play principal. C'est trop dit que ces escaliers qui apparaissent comme ça. Plus tu approches de la lumière, plus ton nombre grandit. Merci pour cette info. Perso, si quelqu'un ne savait pas ça, mes condoléances. Mais n'aie pas peur. Je pense que si tu te retrouvais... Se retrouver face à un monstre de 20 mètres, comment dire, je pense que tu aurais peur. Bon, pour ceux qui n'auront pas reconnu, c'est Darkseid de Final Fantasy. J'ai réussi à monter sur son bras. Hey.
pas tes caisses, ces petites chaussettes. C'est des chaussettes, ça, c'est des pieds. Un petit problème, j'ai dû couper, donc on reprend là où on s'est arrêté. Si tu pouvais revenir s'il te plaît. N'aie pas peur. Je risque juste de me faire écraser là, mais à part ça. Tire la plus puissante des armes. Mon bouclier vient juste de se faire désintégrer, mais à part ça. Et n'oublie pas. C'est toi qui ouvre la porte. Merci. Allez, fin de cette partie, de cette intro bouclier. La suite du l'esprit, je vais pas y arriver. Hein. La suite de l'esprit sera sur l'épée en fait, même si, enfin, sera basée sur le fait que j'ai utilisé l'épée, mais ça change pas grand chose en fait.
à part les stats. Non. Donc vous pouvez retrouver la suite la semaine prochaine et en attendant, bah je sais pas moi, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.